La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yon plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien. Jeudi, c'est mercredi 10 avril 2024. Yon plaisir, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, yon attaque l'armée Israël, prend la vie trois petits garçons, leader suprême Hamas là, Ismaël Haniyeh, qui fait annonce là, dans le moment gagné, yon négociation qu'a fait pour un cessez-le-feu dans Gaza. Ici aux États-Unis, président Joe Biden accueilli dans la Maison Blanche, premier ministre japonais Fumio Kishida, côté au palais, entre autres, de technologie et défense. Spéciale réunion dans siège organisation État américain OEA dans Washington, sous un conflit diplomatique entre Équateur et Mexique, après arrestation ancien vice-président équatorien Roy Glass dans l'ambassade Mexique dans la ville Quito en Équateur. Et puis actualité en Haïti, installation conseil présidentiel transition toujours dans l'impasse pendant la crise là continue à aggraver dans le pays. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre corps, nous pouvons le développer pour, dans un petit moment, merci d'être choisi VOA Creole pour informer, yo, eh ben, visite officielle, cap gué la dan dîner d'État, dans l'occasion, vireron, premier ministre japonais aux États-Unis, une visite qui commence aujourd'hui, à dans la Maison Blanche, en allant sa vie. Dans la Maison Blanche, jeudi mercredi 10 avril 2024, la président Joe Biden et toute première dame Jill Biden recevoir premier ministre japonais Fumio Kishida qui les gagne avec tout madame ni. Monsieur Biden accueilli avec un pile honneur visiteur sayo, dans ça un pile monde considéré comme une visite historique. Distinguished guests, the President of the United States. Monsieur Kishida, welcome. Président Biden nan non vice-présidente la Kamala Harris ak tout maril nan non peuple américain accueilli coupe japonais nan pays a pendant li présenté leader japonais comme un leader visionnaire et courageux pour mesure li prend pour soutenir Ukraine nan lutte contre invasion la Russie. Premier ministre japonais bon côté pas le remercier leader américain pour accueil chaleureux li recevoir nan occasion viriron ça nan moment y a travail sous défense indo-pacifique là. Premier ministre japonais a expliqué que le gouvernement n'a pas paré pour tourner un partenariat mondial pour lever un pile défi, défi dans la région et défi dans le monde. Visite officielle ça à Cap Gain la dans tout un dîner d'État, c'est occasion pour deux leaders faire appel historique sous histoire et aborder un pile dossier important en cours et stratégie avec défense. Mais tout visite ça a gagné un autre symbole, symbole entre États-Unis et Japon pour alliance que gagné qu'il a longtemps. Nan mitan cerisier yo, nan mitan cherry blossom. Nan occasion de partenaires ont tout profité annoncer nouveau partenariat sous programme qui gagne rapport avec technologie, exploration spatiale sous la lune, avec partenariat sous recherche sous intelligence artificielle, énergie propre sans oublier question qui gagne rapport avec semi-conducteurs. Et bien, actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté président Joe Biden, pensait que ça, c'est à pour erreur si Israël, eh ben, menait opération dans Rafah pendant ce temps, gagnait leader et suprême Hamas là, qui perdu trois petites garçons, et puis gagne quatre petites tout, qui mourit pendant que a gagne une négociation qui sous pied pour essayer de jouer dans cessez-le-feu dans Gaza. Nous allons mise à jour avec Serge Rodriguez. Dans une interview, président Joe Biden, by station Univision, et que chaîne Pagnol l'a diffusé hier mardi 9 avril là, leader États-Unis a exprimé gros qu'est sauté sous action premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, a posé dans le cadre de conflit État-Juif là, à groupe Hamas là. Il qualifie action Sayo comme une erreur, particulièrement attaque militaire israélienne été lancée sous véhicule personnel qui a fait assistance humanitaire dans Gaza. Monsieur Biden t'a aimé pour État-Juif là, proposer un cessez-le-feu qui va être camion qui a porté manger avec médicaments, accès au territoire Gaza pendant 6 à 8 semaines qu'a vint là. Yon l'autre côté, dirigeant groupe Hamas Ismaël Haniyeh annoncé sous chaîne télévision Al Jazeera la mort trois petits garçons avec plusieurs petites lits qui périnent en frappe militaire israélienne lancée sous Gaza. Moi, remercie bon Dieu pour honneur qui transforme trois petits garçons avec diverses petites moins en martyrs. Monsieur Haniyeh te fait annonce ça étant dans le pays Qatar. Leader groupe Hamas là qui a 61 ans, gagne 13 petits garçons avec petites filles en tout. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington.
Donc les négociations ont continué pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza et pendant que président Joe Biden une autre fois encore ensemble avec Nations Unies l'autre instance dit que c'est un erreur si Israël menait opération ça dans Rafah pendant tout que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que c'est dernière phase pour déraciner Hamas sous la terre c'est et mener une opération dans Rafah. L'autre point d'actualité a une spéciale réunion dans le siège Nations Unies pas dans les Nations Unies, dans OEA plutôt dans Washington, côté où tu as considéré conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique après arrestation et ancien vice-président équatorien Georges Glass dans l'ambassade Mexique là dans la ville Quito en Équateur. Jean-Aubert Philippe qui a suivi pour nous dossier ça. Jean-Aubert, il faut dire que tension diplomatique ça déjà gain conséquences. Oui, effectivement, c'est il y a gros il y a un pile qui a sauté tout pour que par une répétition qui fait comme ça dans la zone là, les par exemple forces de l'ordre rentrer dans l'ambassade qui sont en mission qui est en général d'après la loi internationale qui est inviolable. Et c'est comme ça que ça a fait mais tout et États-Unis et ensemble avec l'OEA ils ont demandé à ce que et parties concernées donc Équateur avec Mexique que chercher je nous entente pour résoudre le problème diplomatique ça sans pas besoin d'en bouche l'ouvrir et c'est comme ça que rencontre ça qui était fait jeudi là c'était objectif là tant des parties concernées tant des autres pays tout mais Équateur lui il défend position là et le fait que il était entré dans l'ambassade là il a gagné information que très certainement pays concernés que ce soit Mexique ou bien l'autre pays dans la région pas de gain. Mexique n'a bouche l'ouvrir diplomatique avec Équateur après descente de l'île force de l'ordre été fait dans l'ambassade pays dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass qui était prend refuge dans la mission diplomatique mexicaine. L'assalto à notre embajada. Président Manuel López Obrador parlait pour dire c'était une attaque sur l'ambassade là. Un gouvernement n'a pas posé action comme ça s'il n'y pas senti liguer un support l'autre gouvernement. Pour raison ça, nous pourrons porter dossier devant le tribunal de justice international. Enregistrement vidéo montré personnel de l'ambassade là qui t'a cherché empêcher force de l'ordre arrêter ancien vice-président. Mexique t'a offert ancien vice-président Glass asile. Président Obrador déplorait position États-Unis à Canada pour façon y réagir après descente de l'IA dans l'ambassade là. Selon leader mexicain, position du pays voisin yo vague et opaque. Mardi 9 avril, les États-Unis ont demandé à Équateur pour travailler avec Mexique pour joindre une solution pour chirer pit diplomatique que gagne entre eux. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. Les États-Unis, Jack Sullivan dit, États-Unis condamné événement 5 avril là qui c'est une violation convention relations diplomatiques viennent tant qu'utilisation de la force contre responsable ambassadeur. Nous réviser l'image qui sous caméra sécurité ambassade Mexique là et quoi que action pas de bon. Pour qu'on y ait là, employé ambassade Mexique là dans Quito, retourner la caillou sous demande autorité mexicaine. Pays membre organisation État américain a rejeté opération force de l'ordre Équateur fait dans l'ambassade Mexique là dans Quito. Il réitéré l'obligation que tiennent tous les États. De no invocar normas de derecho interno para justificar. Secretario General de Organización Regional, la, Luis Almagro, declaró que Ecuador debe respetar la ley internacional y su diplomático inviolable. Número 1, la OEA ajouté la ley interna del país no es capaz de justificar la descente de l'UE. Jorge Glass, que fue vicepresidente en 2013 y 2017, fue condamné pour passer 6 ans en prison pour accusation que l'IT accepté coûte l'argent imbattable dans mes compagnies de construction brésilienne Odebrecht pour être capable de faire joindre en retour contrat au gouvernement. En 2020, ancien vice-président a joué une autre condamnation 8 ans en prison en bas accusation que l'IT utilisé l'argent contracté pour te financer campagne mouvement politique président Rafael Correa. Tribunal là a été lagué Glass en 2022. Jeudi, elle a fait face avec accusation que l'État a mal utilisé l'argent qui était là pour aider le travail de reconstruction province Manabi qui bol en mer après tremblement de terre 2016 là, t'est dévasté. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, il y a plusieurs personnalités qui prennent la parole dans le dossier ça. D'ailleurs, dossier a été déjà devant Nations Unies, il y a Rafael Correa, ancien président équatorien qui lui-même pensait que son
kidnapping que vous faites sous ancien vice-président équatorien et puis Jorge Glass et Diaz qui c'est petit et garçon ancien vice-président qui lui-même il dit l'a laissé deux fois pour le papa lui pas voulu et il pensait que c'est un abus que vous faites sous douane. Vous souvenez au créole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer aux actualités à mener nous qu'on y a dans le pays d'Haïti. Et côté installation conseil présidentiel transition, les toujours dans passage pendant que crise là a continué à aggraver dans le pays, surtout avec opposition, avec contestation par rapport à et conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre correspondant nous, Renan Toussaint. En pile personnalité haïtienne attend publication dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non, 9 citoyens qui pourraient faire partie officiellement conseil présidentiel transition. Moun sa yo pour qu'on compte pour qu'il est yo là, puisque mardi soir, 9 avril 2024, gouvernement démissionnaire Ariel Henry, qui était réuni en conseil des ministres, transmet projet accord qui créait organisation et fonctionnement structure ça dans service juridique tout ministère pour capable vérifier si projet est conforme à loi organique institution l'État. Ancien premier ministre haïtien Evans Paul dit démarche pas bon parce que gouvernement démissionnaire car il comme qui pas comprendre problème là parce que il y a voyé liste pour dire publier dans moniteur mais bon mécanisme pour publier dans moniteur on pas demander un gouvernement même s'il démissionnaire raison plus les démissionnaires pour publier un bagage illégal. Bon côté parle Rose Monjean qui c'est leader Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique qui regroupait plusieurs dizaines de structures socio-politiques parmi eux, Haïti diaspora réunis pour Jomo et diverses autres qui réagit tout sous dossier ça dit ministre qu'il a yo pas gain prérogative légale pour réunir un conseil des ministres. Pendant ce temps, communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, attend mise en place officielle conseil présidentiel transition. Renan Toussaint, au VOA Creole, Port-au-Prince. Eh bien, effectivement, il y a un coordinateur général national organisation pour Haïti qui est stable et démocratique aux mangeants. Il a annoncé une manifestation contre mise en place et conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre Massado Vilmé, il trouve la capitale haïtienne. Rosemont Jean qui identifie tête li comme un opposant gouvernement Ariel Henry et puis qui dit il pas marcher dans démarche CARICOM là annoncé une manifestation pour vendredi 12 avril qui va venir là pour aller dénoncer démarche si là yo quoi qui c'est une menace contre indépendance pays. Nous dit la CARICOM les États-Unis, la France, le Canada pas gain ça dans attribution puisque yo cap nommer président pour nous. Pardon, cap nommer président pour nous en Haïti. Et encore plus, qui venait avec le conseil créé de 10 moun, de 9 moun, de 9 malfaiteurs, nous dit, nous-mêmes, n'a fait résistance parce que c'est un très mauvais antécédent, il a créé la caillou. C'est une menace à l'indépendance, nous, c'est une menace à la souveraineté, nous. Nous-mêmes, comme haïtiens, personne ne va arrêter de voir ça, non, mais nous, pour nous dénoncer. Et on t'a dit tentative qu'a fait là pour vendre pays. Mais stratégie a c'est gonfler force pour nous répondre dans toute mobilisation pour nous casser bagaille ça là, pour nous casser stabilité ça, pour nous résoudre problème stabilité. En termes de réaction, quelques citoyens plaidaient en faveur avancement mise en place collège présidentiel là. Moment arrivé pour haïtien conscient des situations. Je crois que monde qui soit disant dire dans conseil là, ce n'est pas monde qui sortit en l'air, ce n'est pas monde qui sortit en France, ce n'est pas monde qui sortit aux États-Unis, c'est les Haïtiens. Oui. Aujourd'hui, si les Haïtiens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le pays, ils ne sont pas finalement pas Haïtiens. Je me conseille que, en conseil, comme pour les jeunes, nous alternatives, nous consensus, nous entente politique pour permettre de faire en sorte que nous dotions le pays de un président qui soutient le conseil. En fait, conseil, là, même. Je ne peux pas dire que je ne peux pas faire pour payer. Mais moi, comme étant donné que je suis un bagage qui est plus ou moins là, plus ou moins, moi, c'est l'inéo qui a parlé sur lui tout côté de la radio. Mais il faut que je connaisse que le peuple a souffert là. Ok, le peuple a souffert là, pour qu'il y ait une solution. Je ne sais pas qui est le cabinet de conseil, je ne sais pas qui est le cabinet de président. Mais son seul bagage, il a besoin de souffrir.
Bon, moi, en tant que citoyen et citoyen avisé, je souhaite que le conseil là porte un résultat pour la population. Face à l'instabilité politique là, qui traînait derrière une augmentation de violence et un niveau d'insécurité sans pareil, qui la cause monnaie haïtien a perdu valeur devant dollar américain. Côté sous-marché formel là, c'est 132 à 133 gouttes pour un dollar, alors que sous-marché informel là, c'est 137 à 138 gouttes pour un dollar américain. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Villemé pour VOA Créole. Merci Massia de Villemé. Pendant que l'installation Conseil présidentiel transition lui-même est en difficulté, il y a plusieurs secteurs dans la vie nationale là, qui continuent à réclamer pour y aller. Dans cours de cassation pour rejoindre un juge qui régulièrement nommé pour venir assurer transition. Donc ça qui fait que jusqu'à présent, eh ben gain en pile flou dans ça qui a passé dans le pays d'Haïti pendant que la communauté internationale lui-même, eh ben yo même y a gardé pour ouais et dans quelle mesure que l'installation ça capable fait. Et puis dans question gang armé qui continue à simer l'intérêt, eh ben gain Gary Desrosiers qui présentait un bilan opération police nationale a mené pendant dernier jour que se passé là dans le pays pour faire face à Fascari avec gang Ameo. Nous sommes sur place Yves Manuel n'importe quoi. Direction générale police nationale d'Haïtien présenté bilan partiel intervention et opération limené pendant période 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. Gagné 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm qui saisi lors d'une intervention conjointe qui fait au cap dans le douane et avec appui de agents douaniers. La police a recherché activement Wilman Jean, commissionnaire de droit, Bartol, ainsi connu, c'est lui-même qui t'appelle recevoir cargaison. Environ 1500 cartouches de calibre confisquées, 6 300 000 gouttes confisquées, 20 000 dollars américains confisqués, 2 véhicules confisqués, 9 motos confisquées, gagné malheureusement 6 policiers qui visait lors d'une dernière intervention et opération de la police. Gagné 16 armes qui saisit, dont un fusil d'assaut lors d'une opération d'intervention PNH. Gagné plusieurs bandits armés qui neutralisés par la police lors d'un champ de tir avec la PNH. New York, ainsi connu, qui a opéré dans un civil doudou. Monsieur blessé mortellement lors d'un champ de tir avec la police. La police saisit lors de démonstration. Un fusil d'assaut, une centaine de cartouches. Le 4 avril 2024, dans Japon, Jean-Pierre Anthony, qui continue d'opérer par l'acquis, monsieur qui fait partie d'un gang qui a opéré dans sa arrière team au niveau Japon. La police procédait à l'arrestation d'un policier. C'est policier aux îles Stafford. Situation sécurité pays a toujours été malouque. Bandi a utilisé plusieurs méthodes pour empêcher population à vaquer à occupation. Gary Desrosiers continue à demander soutien population pour traquer gang yo. Nous sollicité à plus population dans le travail que nous avons fait. Situation sécuritaire très délicate. Et Bandi a utilisé plusieurs moyens pour empêcher population à vaquer pour l'activité. Et ils ont tiré tout en direction PNH lors de l'intervention, cocktail Molotov, et ils ont utilisé aux armes fin de fois. Opération et intervention police nationale d'Haïtien qui a continué dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville, selon la police. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et bien, dans le cadre d'opération que la police a mené, il y a été gagné et démolition, plusieurs cailles dans zone aéroport international là, et côté ça sorti, c'est, eh ben, gagné, et compagnie sécurité, qui fait, et compagnie airline, exigence, si pas gagné assez de sécurité, notamment dans zone aéroport, y'a pas capable de bailler assurance, et l'État haïtien lui-même, lui obligé de prendre les mesures nécessaires, c'est ça qui fait que, eh ben, police nationale a commencé dans la démolition, mais ça qui passe, c'est que gagné un pile monde qui dit que, ou bien caillou yon marqué à démolir, ou bien au démoli, mais y'a pas qu'on joue un cob, et que l'État promet yo pour caille que y'a crasé, et puis gagné un problème de titre de propriété. Son dossier qui est très important, n'a retourné sous les. L'autre point d'actualité, surtout, toujours concernant le pays d'Haïti, la Maison Blanche qui a essayé de faire congrès à débloquer l'argent pour financer force multinationale qui est pour entrer dans le pays d'Haïti et qui a gagné tête li Kenya. Sandra Lemaire, gain détail sous des massacres qui a fait.
Conseiller Maison Blanche sous affaires sécurité nationale, Jake Sullivan, dit journaliste m'a dit que l'administration a consulté Congrès pour chercher débloquer financement qui est essentiel pour déployer une force multinationale pour Haïti plus vite possible. C'est Kenya qui pourra diriger force. Consulting with the Congress to try to unlock that funding because it is critical to get a multinational security force led by the Kenyans on the ground in Haiti as soon as possible. L'INAP travaille à Congrès pour débloquer financement ça parce que les urgents pour déployer une force sécurité multinationale que Kenya pourra diriger en Haïti plus vite possible pour aider à rétablir stabilité à la paix pour nous cas soulager souffrance peuple haïtien. Sullivan rappelait que l'objectif force là, c'est aider stabiliser Haïti et puis mettre la paix pour soulager souffrance citoyens innocents haïtiens. Sullivan souligne que les États-Unis mettaient programme en place pour aider haïtiens qui voulaient venir aux États-Unis. Didi, nous pourrons continuer à pousser pour pied devant avec programme ça. Didi tout, États-Unis ouvert porte pour haïtiens qui ont couru pour acte violence gang, qui c'est une décision historique. It's a historic level of access for people who would be fleeing violence or otherwise seeking to deal with their circumstances in Haiti by coming here. Lizi assistance historique n'a bail pour haïtien cap courir pour violence là ou bien qui a échappé à ba mauvais conséquences la vie en Haïti et qui vient aux États-Unis, nous a continuer faire ça. Sullivan répéter que cause principale situation Haïti a c'est insécurité a. But the root of all of this, of people's ability to operate freely in their country or choose where they're going to go from their country is security and stability. And the United States. Il dit ça que la cause haïtienne pas qu'à circuler librement dans pays yo, ni choisir qui côté yo voulait aller, c'est insécurité et instabilité. États-Unis a dirigé un effort mondial pour aider rétablir stabilité pour toute activité continuer dérouler grâce à une force multinationale. Nous besoin l'argent pour faire ça. Sullivan dit l'administration Biden a cherché support démocrate ou républicain dans le Congrès pour débloquer l'argent. Monsieur fait connaître, c'est chaque jour conversation ça y a déroulé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Docteur, nous capable le dossier Haïti a tout partout, que ce soit dans OEA, que ce soit dans Nations Unies et dans le département d'État, dans la Maison Blanche qui y a même à pencher sous dossier ça pendant ce temps. Nous connaissons que conseil et transition présidentielle transition lui-même est toujours dans difficulté pour l'installer avec toute confusion qui gagne dans question légale et autres n'absurde pour. Mais malgré ça et sécurité avec violence gangue, Nations Unies avec toute partenaire et local et international rivé distribuer aide humanitaire by moon qui n'a besoin. Nous parlons dans New York avec Valérie Saint-Louis. Haïti a fait face à gros défis humanitaires qui ont augmenté à cause de violence gang qui intensifié pendant 3 semaines qui sont passées là. Il a rapporté que gang Kounia contrôlé environ 90% de Port-au-Prince et a lancé attaque chaque jour dans la capitale là. Selon Nations Unies, violence gang a été forcé 53 000 personnes qui étaient ville là. Gros coup d'âme qui a tiré en bas la ville Port-au-Prince, forcé pif fort boutique à Gmizis yo fermé depuis le plus passé 8 mois. Dans une autre partie dans la ville là, partisans anciens leaders rebelles Guy Philippe, boulet caoutchouc, et puis bloquer la ria pendant qu'il a essayé faire une manifestation pour demander que Guy Philippe fait partie du processus politique là. N'a pas rappelé que monsieur Amé a été boulé commissariat à la police, yo, a été l'ouvri coup d'âme sous principal aéroport international là qui était fermé et puis a été envahi 2 plus gros prisons en Haïti et a été libéré plus passé 4000 prisonniers. Nations Unies rapporté que jusqu'à date 22 mars là, plus passé 1500 moun t'es mouri et yon lot 17 000 moun t'es obligé courir quitter caillou à cause violence gang yo. Dans mitan tout désordre ça yo, travail humanitaire yo aplité pour yo offrir service clé de base yo, tant qu'ou soins santé et puis distribuer manger by groupe moun qui n'en besoin et qui pi vulnérable yo. Programme manger mondial là, World Food Program, continue faire distribution manger ensemble avec partenaires local et international li yo, yo ba yon plat chaud chaque jour, yo distribuer plus passé 22 000 repas chauds by moun qui déplacé yo. Pendant ce temps, organisation internationale migration ensemble avec partenaires li yo, t'es distribué 132 000 litres d'eau dans 500 déplacements à travers zone métropolitain Port-au-Prince là.
Système soins santé en capitale a été très fragile. Au moins 50% établissements santé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là soit fermé ou soit service affecté en pile par violence gang yo. Partenaire humanitaire continue supporter service réponse soins santé à travers clinique mobile yo, toujours dans centre déplacement yo et puis yo bay équipement médical ak fourniture pour reste l'hôpital qui a fonctionné yo. En dehors Port-au-Prince, dans l'autre département yo, opération humanitaire Nations Unies yo a continué. Organisation World Food Program a continué à acheter produits agricoles pour programme cantine l'école li yo et puis tout yo bay famille yo ti chocho transfert l'argent cash. Accès à principal l'hôpital général pays a coupé à cause violence gang yo. D'après un rapport UNICEF qui sorti dans mois mars 2024 là, 1.1 million femmes actives en Haïti besoin assistance nutrition, plus passé 125 000 timoun gain pour souffrir malnutrition aiguë ak youn sous 4 timoun k'ap souffrir de malnutrition chronique. Avec aéroport international là qui fermé, aide humanitaire dans domaine nutrition ak soins santé rete youn défi, mais Nations Unies dit que la continue fournir aide ak support que le capable à travers agence ak partenaire qui sous place. En pile moun gen gros créatif pour que sauf si sécurité a ta vine rétabli, situation ka vine pi grave toujours et ti aide que population a recevoir, li capable suspendre ou soit diminuer. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis, n'a prêté toujours dans New York et nous parlons dans Brooklyn côté eh ben gain glorieuse Nelson qui fait nous connaître que eh ben crise qui a passé dans pays d'Haïti a gain impact sur communauté haïtienne dans Brooklyn. Nous allons rejoindre et glorieuse Nelson. Haïti a fait face à une grave crise conjoncturelle. Insécurité grand goût rasé pour ne citer ça seulement a taillé banda sous population. Yon situation qui gen conséquence sou haïtien en dan kou de yon pays a. Kek haïtien nou rencontre nan Brooklyn, New York, exprime ke sote ak la perez yo genyen le yap gade sa kap pase nan pays yo. Nou te pale ak Edine Celestin, ki se yon militant dwa moun ki te oblige kite Haïti sa gen 4 l'ane. Mba pral di ko viv menm niveau stress ansanm avèk moun. Bakak ale benevini. Ege akte ki di ke, nan menm kesyon sa, Ariel Henry Bejwe mette pe nan situation que pour montrer avec étranger hein c'est pas lui même qui problème non c'est acteur problème non et jusqu'à ce que Kavin tombe d'accord avec lui que il dit bon OK est-ce qu'il continuer Kembel pour notre pays à démissionnaire pour liquider les affaires courantes c'est un ensemble de questions qu'a posé c'est un ensemble de acteurs qu'a bail de conférence qu'a réagi sur ça des événements comme on est guié avant qu'il vienne avec invité nous qui sont invités de Mac et qui pourraient parler cause ensemble avec nous. Blaise Peterson, c'est tout plaisir chaque fois nous partager panel ça pour venir parler pays, spécialement pour venir après mon lieu ça qui a passé dans des pays, hein, des situations difficiles que pays a connu, des complots ensemble conseil, ensemble apatride, a fait sous tête petit pays d'Haïti que les ancêtres te goumen te permettent que ton pays libre et indépendant. Malheureusement, dans toute dernière année, ou qu'a remarqué, c'est Haïtiens qui complotaient, qui concoctaient avec communauté internationale là, particulièrement l'Occident, pour plonger pays à dans situation qui plus difficile. Pendant la parler des décrets qui sont si qui liés avec création conseil présidentiel 7 membres avec des observateurs que CARICOM département d'État essaie de regarder et haïtien on dit c'est une proposition à l'haïtienne parce que tu entends chita et dans des espaces en Haïti et même aller au Jamaïque pour discuter autour de lui mais communauté internationale là il y a besoin mi fig mi raisin dans cadre question conseil ici la blessure personne situation a toujours été très difficile dans le pays d'Haïti nèg exam en dedans pays a pas suspendre multiplier ensemble des postes de péage que yo gagne dans niveau capital pays a. Bandi yo mette 3 postes péage dans mitan Port-au-Prince, youn nan Riel Alet tout près cimetière et youn nan Matissan ak yon lot nan Fontamara. Non l'autre bord Blaise Peterson. Bandi yo mette 3 postes de péage dans zone Cité Soleil. Youn nan sorti terminal Vareux, youn nan La Saline ak yon lot nan Douillard. Sur route nationale numéro 1, il y a 2 postes de péage que bandi yo mette pour prendre cob dans même monde qui a traversé. Youn nan Titanien ak yon lot ki trouvel entre Saint-Mac ak Gonaïve. C'est des situations qui paraissent extrêmement difficiles. Route nationale numéro 2, il y a 2 postes de péage. Youn nan Poloma tout près cimetière Kafou et puis yon lot nan Mariani. Sur route nationale numéro 3, il y a youn nan Onaville 12 et youn ki trouvel entre Gromon à Capot des Paix, route nationale numéro 5. Et puis Bandio, il y a poste à payer sur route nationale numéro 8 là, dans la zone Calvaire, Croix des Bouquets. C'est des situations qui paraissent extrêmement difficiles. Pas d'acteurs continuent à traîner pied sous situation qui gagne en dedans pays. Mouna mourit, l'hôpital fermé, problème grand goût. Malheureusement, Ariel Henry et consort. Tant que j'en se dit tout à l'heure, Ariel Henry pas un pouvoir pour tout ça l'a fait là.
c'est parce que la trinité criminelle yo campé des Ariel Henry pour faire ça l'affaire qui pour mener pays à dans état qui plus lamentable qui plus difficile. Ça nous on va regarder avec invité que nous gagnons pour nous connaître 11 pièces que Ariel Henry exigé avec candidat ou bien avec membre dans le conseil présidentiel là. Est-ce que yo well légal parce que yo fait mention de constitution et cependant ensemble acteur d'accord que ça fait c'est pour bagay qui gain en rien pour avec question constitution c'est de constitution c'est pas là où t'a parlé de la situation. Et invité nous dans l'émission jeudi hein, c'est député Ulrich Saint-Cyr et c'est président qui a dit mais coordonnateur Jean Gabriléon il y a un responsable Mopal qui c'est un escripti qui prend de engagement public en dans pays hein. Mais pas oublier ancien député Ulrich Saint-Cyr li passé de présentation et c'est un acteur qui très pesé dans sa gain là et qui prend de position publique. Député Ulrich Saint-Cyr, comment est-ce que et bonsoir Blaise, bonsoir Vénès Désir. N'a profité saluer tout dirigeant, tout cadre, tout sympathisant Mopal dans 10 départements pays et dans diaspora. Son plaisir pour nous pour participer dans gros coquin émission ça après-midi. Pour nous brasser l'idée sur la situation globale pays d'Haïti a traversé je ne veux dire. Député, merci pour l'invitation. Nous croyons que nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble. Exactement, député Saint-Cyr. N'a pas entré dans l'actualité, puisque c'est le Québec actualité, ou même comme acteur politique, comme un ancien député qui est dirigeant des partis politiques. Ça, Québec actualité, c'est question qui est pour avec arrêté qui sorti vendredi 12 et avril, qui est pour avec création conseil présidentiel. Et qui première réaction sur arrêté ça, là où elle sorti, député, et Ulrich Saint-Cyr? Bon, et notre première réaction par rapport à publication et décret ça qui créait et CPA, et notre première réaction c'était un ouf de soulagement. Nous on t'est pensé enfin pays à pral et commencer prendre route pour sortir de la crise là. Cependant, l'on a regardé contenu décret ça, nous rendons compte que son décret qui est totalement différent par rapport à décret membre CPA te voyé by gouvernement démissionnaire là. Cela veut dire que le décret qui a été publié, c'est un décret que Conseil des ministres l'y fait et que publié dans le journal officiel Le Moniteur. Je pense que c'est une aberration hein? Et c'est manquer nation en dégâts lorsque des acteurs politiques n'ont plus au niveau pays à ridiculiser et ça y a doué fait pour retirer peuple ça dans situation désastreuse que la vive là, je ne veux dire, pas oublier. Et pays a bloqué systématiquement, pas rien qui fonctionnait. Haïti, li coupé du reste du monde, pas rien avion volé. Moun pas qu'à déplacer à aucun département dans pays a, parce que gagnant table basio tout côté, tout partout. L'administration publique ne fonctionne pas. L'école, l'université, pas fonctionner, business pas fonctionner dans le pays. Donc c'est coup de balle toute journée, toute nuit. Dans quatre coins du pays, chaque monde a dormi, on j'ai ouvert, on j'ai fermé. Pendant ce temps, au gouvernement démissionnaire qui prend plaisir à faire dilatoire dans le pays, c'est triste quand même de constater à ce niveau pour que des hommes et des femmes politiques aient passé le pays dans sa malaza ça. Et nous pensons que décret ça, et c'est comme si un instrument qui a pris le bail tête en bas. Donc, et c'est ça que fait, je dis à la, m'a regardé, monsieur, dame, qui
et te choisi institution, structure politique qui te choisi membre pour faire partie de CPA, nous ouais, yo publié une note côté que yo en total désaccord avec et le décret électoral qui a été publié par le gouvernement démissionnaire. Donc là, il faut déjà penser à une autre crise dans la crise. OK? Donc, c'est un pays, monsieur, vous faites tout ça, vous êtes capable pour pérenniser la crise. Là. Vous faites tout ça, vous êtes capable. C'est comme si la crise que connaît le pays actuellement devine un mode de gouvernance parce que il y a des gens qui sont nostalgiques du pouvoir, qui n'ont pas accepté une seconde abandonnée. Pendant ce temps, le peuple n'a pas qu'à manger, le peuple n'a pas qu'à boire, l'a déplacé, l'a dormi sous place publique, et même sous place publique, le bandit a poursuivi. Donc, il n'y a pas qu'on qui ça pour faire, mes amis. Et il y a donc son pays qui est côté que bon, insécurité alimentaire qui atteignent plus que 4 millions de monde. Donc, et rien pas fonctionné dans le pays, et il y a une quantité de monde qui déplacé, qui quitte Kayo, nous par contre, côté au palais. Donc, voilà dans qui ça nous est. Et puis, d'un autre côté, vous jouez des hommes et des femmes qui a fait des exigences, par exemple, demander de nouveaux postes, de nouvelles postes politiques, postes ambassadeurs dans d'autres pays, qui fait des exigences pour que yo joigne corps avant yo quitter. Pendant ce temps, peuple a lui-même, il levé matin, il pas qu'à manger, il pas qu'à boire une tasse café. Longtemps, yo te ka, ou moun te ka dans la rue, et puis, ou gon 50 goud, ou gon 100 goud, ou ka pour aller, ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à faire ça, kounya. Donc, et, mais tout, nous penser, Roberto, nous penser, et Venez, que M. CP, yo tout, il n'a pas sauté dans l'élection. Il n'a pas qu'à comprendre tout pour que il coincé des machins dans le temps seulement. Il faut que vous fassiez appel à d'autres forces politiques qui sont dans le pays pour impliquer dans la dynamique. Là. Et c'est ça que tu as pris le bas des machins plus de force pour faire face carré à de vagabonds qui n'ont pays qui pas jamais accepté pour payer à fond pas. Donc la démarche doit être ouverte, le consensus doit être ouvert à d'autres structures qui très certainement ont certaines représentativités au niveau national et même dans la diaspora pour que yo poté du sang neuf par rapport à une dynamique qui chaque jour apprend coup. Parce que de monde qui t'a doué et je ne j'ai dit n'en caché, parce que yo tellement fait pays à tort, de monde qui pas gain aucune autorité parce que c'est un gouvernement démissionnaire, c'est eux-mêmes qui a mené la danse dans le pays. C'est pas possible. C'est comme si dans ce pays, les choses et ces deux bagages, les choses vont à l'envers. Député Saint-Cyr. Député Saint-Cyr. Qui l'a considéré un monde démissionnaire, malgré nous connaît que Ariel Henry, après discours, pas de soumettre pièce lettre qui te lie avec démission. Bon, lorsqu'on a pris des engagements tant au niveau national qu'au niveau international, donc il faut respecter ça que tu te prends comme engagement. Ariel a fait son discours pour dire que li entre dans dynamique pour que gon nouvelle équipe qui vient prendre tête pays a. Automatiquement, vous acceptez d'entrer dans la dynamique. Ça, vous êtes un gouvernement démissionnaire qui est en train de liquider les affaires courantes. Mais elle était bien détaillée, ça. Donc, ce gouvernement, installation. Ce gouvernement, le fait même qu'il est rentré dans un processus de mise en place d'une nouvelle administration,
ne peut en quelque sorte engager le pays, n'a pas assez d'autorité pour engager le pays et tant au niveau national qu'au niveau international. Donc, c'est un gouvernement qui est là pour liquider les affaires courantes. Voilà la vérité. Mm-hmm. Aujourd'hui. Très bien. Très bien. Nous trouvons l'autre espace après des créatifs une sortie où tu es qualifié comme soulagement, mais après, l'on va regarder ensemble des nota bene qui gagnent en dedans des créa, soit à faire nomination, reconnaissance, création conseil là, sans ensemble nos monde qui fait partie conseil là. Qui j'en comprenne, comment on est ça? Est-ce que c'est dilatoire ou bien c'est juste coquin, mesdames, que le gouvernement a fait? Et en plus, l'autre acteur tout dit que Ariel Henry pour contrer, peut-être qu'à rentrer dans la dynamique, fait juste coquin avec mesdames dans la dimension qu'il a fait là. Il est différent pour vous? Je me pose aussi cette question. Est-ce que ce gouvernement a la capacité de maintenir cette situation et pour qu'elle continue à faire dilatoire? Je me pose aussi cette question. Et est-ce que, quelque part, il n'y a pas d'autre force qui est en train d'agir pour empêcher que le pays joigne une solution à la crise multidimensionnelle qu'elle a traversée et actuellement? Donc, et nous remarquer, et gouvernement, chaque fois, l'arrivé, nos étapes, il demandait de nouveaux bagailles. C'est comme si, c'est des gens qui ont fait des coups d'essai, mm-hmm. mais qui n'ont pas aucune volonté politique quant à la résolution de la crise. Mm-hmm. Donc, ça nous vient là. Son bagaille qui t'a dû résoudre, dans 48 à 72 heures de temps. Mais entre-temps, nous, elle apprend des jours et nous, elle apprend des semaines et qui dirait, donc, nous pensons que nous sommes partis là pour nous, de nouveaux épisodes de dilatoire que le gouvernement ça a fait. Qui compte ça, mais les pays, nous ne pouvons pas. Mais Mabdou, entre-temps, le pays a livré aux gangs armés. Et pays a livré aux gangs armés, et c'est eux-mêmes qui a fait la loi. Tout à l'heure, dans l'introduction, là, on parlait de plusieurs côtés de postes de péage. Mm-hmm. Et citoyens, je ne vous dis, pour le passer, pour sortir d'un endroit ou l'autre, il est obligé d'accepter le principe ça, si c'est pas ça, que je suis à la caille. Donc, et toute personne consciente de cette situation, t'as doué by tête comme devoir pour travailler assidûment pour que yo sorti pays dans sa lié là. Mais le constat, c'est que ce gouvernement est confortable dans cette situation et pays à mettre crasé pour eux-mêmes, pays à mettre crasé. Donc, il suffit que yon en poste. Et pendant ma parole ensemble à bord là, pas de personne citoyen qui compte qui s'est passé dans l'administration publique là. N'a pas personne monde qui compte qui cop cap déplacé. N'a pas personne monde qui compte qui transaction que monsieur dame ça a fait sous nos pays là. Donc, et après le départ de ce gouvernement qui est imminent, donc, on pensait que pays a trouvé une situation lamentable et c'est ça que fait, je pense, et que ça est nécessaire pour que, quel que soit le gouvernement qui vient remplacer M. Damsayo, pour non seulement faire audit dans l'administration publique en général, mais organisme autonome qui se vache à l'air que M. Damsayo servit pour que vous fassiez fortune, pour que vous fassiez gagotte. Donc, vous devez faire audit là-dedans. Parce que il faut dans ce pays apprendre à donner des exemples pour que personne monde là vienne dans l'administration de l'État pour pas prendre pour choix grand papa yo faire ça yo vle. Moi-même moi vle que et chaque haïtien haïtienne journée jodi an doit comprendre
nécessité pour que yo collaborer pour que ça fini. Et monsieur dame CPO, faut yo comprendre yo pas toute dans élection, il faut yo faciliter et la meilleure participation parce que il y a de grands chantiers qui pral aborder dans transition hein, si finalement c'est monsieur dame et conseil présidentiel qui prend pouvoir. Par exemple, la réforme institutionnelle, la réforme constitutionnelle, il y a ce qu'on appelle le conseil de sécurité. Il y a une bagaille que en pile monde dans pays a prôné depuis longtemps, la conférence nationale. Donc et la question des élections. Donc il faut que gain assez de d'acteurs qui impliqués dans dynamique ça pour que yo crédibiliser démarche là. M'a rappelé pour l'histoire et pour la vérité. Monsieur dame CPO yo gain obligation si c'est démarche ça qui réussit pour que yo bay tête yo une dimension d'homme d'état pour que yo pas à rentrer dans une dynamique de séparer poste by ceci by cela et automatiquement yo rentrer dans ça bon garantie ça va exploser et ça ne va pas porter de résultat. Il faut que yo situé yo comme des serviteurs de l'état qui dans un carrefour historique trouvait que et c'est eux-mêmes qui prend responsabilité pour résoudre crise qui gagne dans pays là. Député et ça fait yo, si on comprend dynamique ça, ça fait yo sortir comme de grand homme et l'histoire ta capable reconnaissant envers yo. Cependant si on mal abordé lui, chaque nèg pour aller chercher petit job pour partisan pa yo, chaque nèg pour aller mande poste ministériel pour yo, mon cher, ces gens-là et yo pour aller dans les poubelles de l'histoire. Débuté. Et nous bay ou mise en garde pour que quelle que soit transition qui pral fait là pour yo mettre du sérieux parce que un pays son pays. Ou pas ka un pays gen crise en permanence là-dedans. Il faut sortir de cette instabilité politique pour permettre pays à avancer sur la voie du progrès, sur la voie du développement. Il faut que institution nous renforcer yo. Il faut que au monde qui dans administration l'état ou bon service ou bail l'état et yo évaluer au suivant ça ou gagner comme travail pour faire. Il faut que nous développer agriculture dans pays a pour moun jeune manger pour vivre. Il faut que ça n'a fait ou nous suspendre faire mesdames parce que gagne trop mesdames dans pays a. Tout ça n'a fait c'est coquin. Nous besoin un groupe de patriotes. De moun qui gagne l'amour pour pays yo. Pour travailler, pour transformer le pays, ça, de façon pour petit. Et toute génération, nous, au moins pour être capable de vivre dans un pays, côté la paix à régner. Député Cécile. La richesse de ce pays, député Cécile, n'est pas capable de concentrer dans mon petit groupe monde. Député Cécile. Il faut une distribution équitable de la richesse de ce pays. Député. De façon pour que. Et c'est cette disparité. Qui crée situation que nous gagnons là. On petit groupe monde prend toute bagaille pour contre. Ça fait l'autre monde. Début de ceci. Oui. Ah, moi je pas attendre moi là parce que moi je pas parce que moi plusieurs fois moi je pas attendre. Député, on nous garder ça puisque dans plusieurs fois là on parlait là, on montrait que question c'est payant, il manquait consensus n'a manqué selon soi dit parce que gagner l'autre acteur qui ont pas consulté ou pas chita au moins peut être capable garder au consensus plus ou moins large et largement large si on a dit comme ça veut dire à moins que prise répéter ça là. Et est-ce que de tout ça parler là au député Cécile et dimension homme d'état parler là yo, est-ce que le fait que c'est pas déjà monté il manquait ça relé au consensus largement large, est-ce qu'on attend que
ça dit là yo ou pas jeune comme résultat dans même MCP ça là et débuté. Laisse-moi te dire quelque chose mes chers amis. Mm-hmm. Et processus qui mène dans formation CPA sous songer sous rappeler c'est après l'invitation qui a été faite à certaines structures politiques pour aller à la Jamaïque et de là et yo commencé mettre tête ensemble arrivé en Haïti yo t'ai créé une structure entre eux-mêmes pour que yo avancer dans quatre négociations yo avec CARICOM. Mon papa t'a invité depuis longtemps. Mon papa t'a invité dans Jamaïque là ça a débuté prenez mon petit mot sur ça. Nous va t'inviter dans Jamaïque là avant même non mon pas à ce moment-là. Mon parle à ce moment-là n'existait pas. Ce qui est, ça qui t'est passé, elle t'est passé en juin, alors que mon parle, il prend naissance le 22 août, et 2020, le 22 août à 2023 et à Gangouave. Ok, ok. Mais on met là, vas-y. Okay? Donc, cela veut dire que c'est même Mounsa ou Jamaïque là qui arrivait dans le niveau ça là et puis on mettait CPA à camper. Mais nous pensons que nous besoin d'un bagage qui beaucoup plus large. Nous besoin d'un bagage qui beaucoup plus large dans le sens que il y a d'autres structures politiques et il y a d'autres structures politiques qui en dans pays y a et qui représentatives de la société. Donc pour étant donné que un ensemble de gros chantiers pour l'aborder, faut yo intégrer le plus de monde possible pour bagarre là une certaine légitimité, pas oublier moi pas répéter ça monsieur Dami au patal dans l'élection. Il faut que c'est pas même yo maintenant qui occuper tout chantier yo. Donc si on fait ça et il y a ka difficile pour sortir en situation ça. Et d'autant plus et ce sont ces personnes là qui pourra choisir membre conseil électoral pour organiser les élections. Objectif premier en structure politique, c'est aller aux élections pour prendre pouvoir. Exact. Lorsque on s'est jugé parti à la fois, donc on a tendance pour que la société a mal comprenne ça. Et c'est ça qui fait. Moi, je dis tout à l'heure, il faut que ces hommes-là mettent en dimension d'homme d'État pour que ce n'est pas structure politique qui veut y aller à le défendre en dans CPA, mais c'est de citoyens, de patriotes qui pourraient rendre pays à un service, qui pourraient mettre au service de pays. Et c'est ça seulement qui permet de réussir dans la dynamique qu'il y a pas avancé là. Donc ça, c'est un conseil dont citoyen et dont responsable politique de président Mouvement Patriotique pour la Vie Mopal qui à réfléchir en permanence sur comment pour nous sortir dans la crise. Donc, dans ce sens, ça, nous croyons que la participation de tous les acteurs, ça va donner beaucoup plus de légitimité à la démarche de la résolution de la crise haïtienne. Voilà, c'est là à nous y est. Et Blaise, c'est la nouille Vénès. Mais quand il y a la députée, et l'organe, puisque tu as dit comme ça, et dit là, ou qualifié, bon, mais dit, tu as qualifié de dilatoire, que ça a pouvoir faire là, et ou dit, par contre, a kiffé, a fait ça. Mais est-ce que selon même vraiment député, ou est dilatoire ça, pas qu'on fait, on va qu'on fait là-dedans vraiment, pas qu'on fait, ou dis-moi, est-ce que ça que pouvoir faire là, est-ce que selon même, il y a de me cacher de elle, et si tu as de me cacher de elle, est-ce que c'est qui me que tu as capable? Bon, c'est sûr, nous dit ça déjà, nous avons un pile doute que pouvoir ça a une capacité pour que la mène bagaille là, j'en la mène là. Et cependant, moi-même, en tant que président Mouvement Patriotique pour la Vie Mopal, m'a baillé un conseil. On allait. Et conseil que m'a baillé, c'est que ça a fait là, pas bon pour yo. Ça y a fait là. Pas bon pour yo, mais pas bon pour pays. Ah bon, ok. Ça y a fait là. Pas bon pour yo,
ça a fait là pas bon pour pays ya. Mm-hmm. Au moins une fois moi conseille yo pour opposer une action que population va ouais dans action ça son action que yo te gon minimum de volonté pour yo te résoudre crise. Et ce conseil salutaire ça que m'bayo à cette période difficile de la vie nationale côté que mon a mouri tribo babo dans pays a mon pas ka manger dans pays a ti mon pa l'école prison ouvri porte li bay tout prisonnier sorti et puis toute l'école fermée dans air métropolitain. Donc mes amis, c'est pas sérieux, nous pas ka faire pays a ça non. Donc il faut que le dossier de la résolution de la crise haïtienne, c'est quelque chose qui doit être réglé avec célérité. Parce que il est question de vie, moun. Il est question de moun qui pas qu'à vivre. Et chaque minute qui passait, ça permet le plus de moun possible mourir. Chaque minute qui passait, il permet plus moun mourir dans grand goût. Parce que je vous dis, et toute zone, et tout pays a coupé du reste, et Port-au-Prince est coupé du reste du pays, et nous n'avons pas qu'à circuler facilement pour aller dans un coin, à l'autre. Donc ça, si on est dit, ou il vient en tête l'État, ou pas qu'à comprendre, et un pays qui servit avec lui, ou fait tout ce qu'on peut faire avec elle, mais en retour, faut pas penser à tête tout seulement, faut croire que gain un ensemble de citoyens, bon paquet malheureux malheureux, cap vivre dans des situations exécrables, gain monde qui leve la caillou monsieur, pas qu'à manger non, je ne veux dire on plat manger dans le pays d'Haïti son luxe que lié oui, okay. Alors pendant ce temps, gon équipe monde qui en tête pays a fait chelbe soumise à peuple là. Non, nous pas qu'à faire ça. C'est inacceptable. Okay. Eh bien, je pense à ce carrefour de l'histoire. Il faut un sursaut national pour sauver ce pays. Et c'est dans le cadre de ça, Mopal invite tout acteur, quel que soit côté lié, quel que soit croyance, quelle que soit idéologie, pour comprendre la PAC nationale est en danger, il faut que nous mettions la main pour sauver le pays. Député Saint-Cyr, CPA que nous parlons de là, ou montrer que il méritait pour continuer dans l'élargissement. Bon, dès le début, nous avons remarqué une exclusion qui fait là-dedans. Parce que il fait mention de monde de ensemble de monde qui pas doué là-dedans et des impositions qui fait surtout avec ça qui pour avec des déploiements force multinationales qui t'a dû venir dans pays et ou même comme acteur politique sans doute qui des positions nationalistes qui côté trouver ou marcher avec ensemble de impositions que CARICOM bail avec acteur qui a participé dans CPA. Bon, je pense que à ce niveau-là, et les acteurs, et ils ont en quelque sorte perdu le contrôle de la démarche. Et je pensais que pour moi-même, pour ma part, et ça ne devrait pas se faire, hein, pour imposer une structure, pour dire que au départ, il faut qu'il accepte la force multinationale entrée dans le pays pour participer dans la question. Ça. Alors, ce que pertinemment, nous connaissons que il y a des gens qui croient que la police nationale, là, l'armée d'Haïti, est capable de résoudre le problème. Ça, à moyen âge, il y a les matériels nécessaires. Et c'est ça que fait. Et Mopal est toujours mandé une assistance et technique et de matériel et des matériels nécessaires pendant que
au niveau de la police nationale, qu'on vetting et très sérieux qui fait parce que nous connaissons que en dans police ça, il y a de mauvais citoyens qui amusent à faire relais avec des gangs armés. Mm-hmm. Donc, nous croyons que et la police nationale, si elle a les moyens nécessaires dans elle, est capable de faire travailler ça, accompagné de l'armée d'Haïti. Mais pour ce faire, il faut avoir au pouvoir des gens qui ont une volonté politique pour résoudre la crise. Si il y a des gens qui ont collaboré avec Banzameo, la crise n'a pas résoudre. Si il y a des gens qui ont utilisé de temps en temps à leur profit, il n'a pas jamais pris les décisions qu'il fallait pour résoudre la crise, pour permettre à la police de gagner les moyens nécessaires pour les combattre et pas oublier. Et à un certain moment donné, la police nationale, dès qu'on a fait des opérations, quand on prend le principe, il y a deux personnes qui relèvent qui disent retourner. Non, mais ça veut dire que dans plus haut niveau de l'État, il y a des gens qui croient que ils ont servi avec insécurité comme mode de gouvernance pour opérer des états au pouvoir. Et moi-même, moi crois Dieu comme le faire. Et automatiquement, il y a un changement de gouvernance qui vient avec de citoyens, de patriotes qui croient et pays n'a pas arrêté comme ça. Donc, il a créé les conditions nécessaires pour bay police nationale là moyen bay force armée à moyen pour combattre gang yo dans pays là. Voilà. De quoi il s'agit? Bay police au moyen pour combattre gang et zam toujours gagner facilité pour rentrer en dans pays là. Ou pas remarqué bay moyen sans pas une disposition qui prend vers les États-Unis d'Amérique à l'État Floride parce que Conseil de sécurité des Nations Unies, surtout groupe expert, il a déclaré que la majorité des amis sont aux États-Unis, en passant soit Colombie, Jamaïque, pour arriver en République dominicaine, pour venir atterrir en Haïti. Ce n'est pas une disposition qui prend dans la zone ça. Vous pensez la police, c'est pas bah, au moins, c'est la VMC à terre? Là, je parle de la bah, police à moyen pour faire travail. Je parle pour que la police ait une possibilité pour que de contrôler la frontière. Principal point qui gagne au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine. On parlait de possibilités pour au niveau des douanes pour que y ait un scanner qui permette que les matériels ça va passer pour que on détecte. Moi parler de possibilités pour bagat compte moyen pour le patrouiller au niveau et la mer. C'est ensemble de bagages ça nous parler. Nous pas parler dans cadre extrême et Blaise. Donc là, on parle de moyens, c'est moyens non seulement pour affronter les gangs armés, mais c'est moyen tout pour empêcher les armes et munitions d'entrer dans le pays, que ce soit au niveau de la frontière, que ce soit au niveau de la mer, mais au niveau des douanes aussi. Donc ça, c'est un gouvernement qui a une volonté seulement qui a fait travailler ça. Très bien. OK. Conseil présidentiel n'est pas constitutionnel et si n'a gardé balance sur ça nous t'a baptisé comme légitimité populaire, il pas reflété réalité a. Il y a plusieurs autres tendances qui dégagent dans la rue. Soit c'est réveil là dans déclaration 5 mars qui était au conseil présidentiel, il dit qui plus ou moins large reflété avec réalité parce que là on fait mention des 3000 organisations et plus que 100 sites politiques qui signent et pétitions qui ont été gagnées, et gagné de l'autre acteur tout qui garde cours de cassation. Et en cas où, proposition de CARICOM avec acteur haïtien qui n'a pas marché, et sous ta François qui côté au poste, sous ta Kali. Bon, je dis, pas de aucune solution à prendre là, dans la crise, dans les gens liés là, que la constitutionnelle. Parce que, et les institutions pérennes de la République qui ta ka gen responsabilité ça eux pas exister pour le moment. Donc cela veut dire
Et pour résoudre la crise, là, c'est consensus quand même pour faire. Pas oublier. Au niveau du CP, je pense qu'il y a un effort de mise en commun qui fait. Des acteurs, pas déjà pensé que tu as chité ensemble. Je ne veux dire qui ensemble. T'as qui ça, David? T'as qui est-ce, est-ce que. Mais vous connaissez, nous n'avons pas besoin de répéter tout acteur dans CP, okay, mes amis. Okay. C'est public de tout le monde, c'est connu de tout le monde. Okay. Et je pense que son effort pour que il y aurait comment il a résolu la crise. Donc, dans ce sens, nous croyons que et on ne va pas parler de solution constitutionnelle, pas de solution constitutionnelle dans le moment ça. L'ordre dit à peu près constitutionnel, et comme si on n'a pas dit rien encore. Ce soit le constitutionnel ou bien pas constitutionnel. Mm-hmm. Et automatiquement, mm-hmm. Le pas constitutionnel, c'est consensus. Okay. Un groupe ne peut pas s'arroger le droit de s'approprier de la démarche pour contenir, pensant que c'est lui-même qui gagne légitimité. C'est la mise en commun des forces. Même si nous t'ai prêché dans Mopal, automatiquement nous t'ai arrivé dans Mopal, nous-mêmes nous t'ai commencé avec ce que nous appelons le ralliement des forces progressistes de ce pays. Mm-hmm. Et c'est ça pour te permettre de nous dégager une masse critique qui t'a parlé à nous et force pour que nous résoudre, nous rapatrier souveraineté pays, nous résoudre crise, nous rapatrier souveraineté pays, mm-hmm. Parce que tu as une masse critique qui portait revendication populaire là. Et c'est là nous y est, c'est dans ça nous quoi. Et nous te fait appel tout aux forces morales de ce pays. Monsieur, on ne peut pas construire un pays n'importe comment. On ne peut pas construire un pays n'importe comment. Je ne j'ai dit là, où on est dans la rue, il y a un parti politique dans le poste. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, monsieur? Donc, la question des partis politiques, son bail qui est trop sérieux pour aller dans la rue comme ça. Et c'est ça qui fait la grande crise dans le pays. Il est extrêmement difficile pour le résoudre. Parce que il y a des gens qui bon table là, qui n'ont pas de droit bon table là. Et pas comme citoyen, non? Mais comment on veut dans la figure tout le monde? Pour un parlement vote une loi qui permet un monde qui gagne 20 monde qui a fait un parti politique dans le pays, monsieur. Hein? Déjà tout et ça a vu un déficit total au niveau de l'échiquier politique. Tout bagaille c'est gagote, tout bagaille c'est la rue, alors que les choses d'État, on va pas régler les choses d'État dans la rue tout le temps. On va pas faire ça. Et automatiquement, c'est qu'on soit choisi pour faire, c'est la débandade. Donc, dans ce sens-là, nous croyons que il faut tout le monde arriver et mettre ensemble pour désormais résoudre la crise et résoudre une fois pour toutes, parce que nous n'avons pas qu'à tout temps nous avons instabilité politique. Automatiquement, on a instabilité politique, on n'a pas qu'à faire progrès. Et il y a deux pays qui comptent. Là, nous toujours en crise comme ça. La République dominicaine, nous comptons là, nous en crise comme ça. Parce que nous venons tourner au marché pour lui. C'est là, lui injecter tout vieux produit, le gain, que nous avons besoin de la caille pour citoyens. Comment on voulait un pays comme Haïti, la première République noire du monde, je ne vous dis pas, pour ce n'est pas l'État s'allier. Chaque Haïtien doit garder tête. Chaque Haïtien doit garder yon nan zye pour dire que nan période yon tap viv, garder ça yon fait dans le pays. Alors que, à un certain moment donné, Haïti c'était la perle des Antilles. C'est un endroit, il faisait beau de vivre et les plus grandes autorités du monde qu'on vini là, soit pour yon faire ligne de miel yon, soit pour yon vini passer vacances yon, soit pour yon vini faire un petit temps quand même dans le pays, parce que et Haïti, à un certain moment donné, comme ce jour-là, c'est un côté que le te fait beau de vivre. Donc, c'est une responsabilité citoyenne et de monde qui réellement aime le pays, de patriotes,
c'est eux-mêmes pour qui débouillent eux, pour mettre ensemble, pour résoudre le problème pays. Et puis, désormais, pour baisser ça, pas continuer à faire dans le pays encore. Député, il y a des acteurs politiques, même j'ai avec vous, qui soutiennent, non? Qui balance la question CPI ensemble avec la Cour de cassation? Il y a qui montre que, il dit, dans pas CPI, il n'y a pas de gens qui ont un CP qui te ba un résultat parce que m kwa gen en CPM event sport cap qui montre que gen un CPT monté m kwa en 1956 ça pas même fait même moi si m prêté parole li mais yo aller pour montrer pour dire que Jean Sodien CP ça li fait son base exclusion selon eux-mêmes ça sont l'autre avancé qui ont fait les avancées de question de cassation yo montre que c'est vrai que réalité yo moment ou pas même mais yo montre yo les deux exemples cour de cassation avec Andy Ata Pascal Trouillot et puis ancien président Boniface qui te ba résultat selon ça ou dit et c'est ça yo avancer comme argument pour montrer que je dis que yo aller dans cour de cassation au lieu que CP qui réaction sur ça CP et qui compréhension sur ça et ancien député Ulrich Cécile. Laisse-moi te dire quelque chose mon frère. Et femme d'eau le 18 décembre, et Mopal t'a publié une autre côté que il t'a fait une proposition, et la proposition c'était de choisir un président au niveau du pouvoir judiciaire. Mais pendant que tu as fait proposition, ça a tout gon bagay que nous t'a dit. Nous t'a dit en aucune façon, Mopal n'a pas servi de blocage dans le cadre de la résolution de la crise. Et c'est ça qui fait, dans le stade que nous arrivons là, qui ça nous rend compte? Nous rendons compte que ces formules conseil présidentiel là, que tout acteur national, en pile acteur national avec acteur international, a poté. Est-ce que nous avons la capacité de dire non à cette démarche, mais je crois que côté le rivé là, la difficile pour faire back la donne. Et faire back la donne, c'est venir permettre pour compliquer la situation beaucoup plus. Et pas qu'être pile monde ça qui implique la donne. Il n'y a pas de citoyens dans le pays. Et c'est des structures majeures, des structures politiques majeures comme ça qui sont dans la démarche là. Qui sera fait de yo? Moi, je pense que Il faut en quelque sorte ouvrir le consensus à d'autres groupes qui peut-être dans des démarches cassation en tout, en façon pour que nous ayons des démarches inclusives, très inclusives, et tout le monde senti intérêt pays à les garantir là. Parce que et c'est pas l'intérêt d'un monde ou bien d'un groupe, monde d'une structure politique qui vous garantit. C'est intérêt pays à vous garantir. Et depuis intérêt pays à garantir, moi-même, moins confortable. Et Mopal confortable. Parce que Mopal, dans sa nature même, c'est une structure qui a porté revendication population. Et si nous, son structure qui a porté revendication population, donc, nous pas d'accord pour une crise qui a pérennisé dans le pays, pour une crise qui a ravagé toute charpente du pays, pour une crise qui a mis la misère dans le pays, pour une crise qui fait tout le monde déménager, quitter l'espace côté à vivre. Et puis, moi-même, moi j'étais là comme si c'est n'est rien. Non. En tant que citoyen d'abord. Et président de, du conseil exécutif et du Mopal. Et en tant que patriote, je crois que je suis du côté de la résolution, je suis du côté de démarches qui permettent la crise à résoudre le plus vite que possible. Voilà notre position, mon cher ami. Bon, désir, vous avez une question avec le député Saint-Cyr parce que nous allons quitter l'allée. Très bien. Et député Saint-Cyr, en cas où le gouvernement toujours était tête raide dans sa qui est pour avec question document qu'il demandait avec ensemble et monde qui constitue le conseil là, 11 pièces, vous pensez que c'est une bonne démarche en faveur résolution crise là ou bien
c'est traîner pied pour rendre la ville plus compliquée. Bon, ça ne doit pas rester comme ça parce que il y a un grand peuple qui a mouru et ça pas rien doit arrêter comme ça parce que il y a des déplacés et la pluie commence à tomber et sur place publique. Et Dieu seul sait, il y a petit monde là-dedans, il y a des femmes enceintes là-dedans. Et bagarre là pas qu'à arrêter indéfiniment comme ça. Parce que il y a petit monde qui veut aller à l'école. Ou pas qu'à non pays, monsieur, pour fermer l'école et puis pour ouvrir prison. Vraiment pas comprendre. C'est le monde à l'envers. Donc, dans ce sens-là, monsieur, et moi-même, moi, je dis déjà, et je suis conseiller, monsieur Damio, pour que au moins opposons action qui montre le monde entier pour une fois. Il y a une bon, sensibilité par rapport à ça qui a passé dans le pays. Ya. Par rapport à tout le monde qui n'a pas à l'école, par rapport à l'université qui n'a pas à l'ouvrir, par rapport à malheureux et malheureuse qui n'a pas à manger, par rapport à la souffrance globale que la population a souffert dans le pays, et par rapport à l'insécurité qui a fait un pile de jeunes garçons, de jeunes femmes, tout le monde, toute catégorie sociale a mouru dans le pays. Donc, ce n'est pas un bagage, un groupe qui a pris plaisir, surtout leur appel à diriger au pays. Donc, il est de la responsabilité de ce gouvernement démissionnaire de prendre et de montrer à la nation pour une fois un minimum de sensibilité au gain, monsieur. Merci un peu, député et ancien député Ulrich Saint-Cyr. N'a pas plus, c'est président parti Mopal. Et que nous sommes contents de parler ensemble avec vous. J'en ai dit, mais nous avons toujours été l'ouvrir pour vous. Et pour nous parler, pour nous causer problème pays. Et bien, c'est un plaisir, député Ulrich Saint-Cyr. C'est un plaisir, merci un peu, député. Et m'a rappelé pour vous, Mopal pas un parti politique. Mopal son mouvement politique. Ah, son mouvement, ça veut dire qu'il est encore plus large que ça. Un mouvement politique qui a des partis politiques là-dedans, qui a des organisations sociopolitiques, des organisations paysannes, etc. D'accord. Merci à pile, ancien député Ulrich Saint-Cyr. Merci à pile. C'est, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Voilà. Désir, on va avancer puisque nous avons jusqu'à 5 là pour nous camper. On a campé à 5 ronds. Et on va avancer, Désir, puisque là, on a essayé de comprendre que je dis. Hein. Et. Allô, DP? Là, mon abîme dans l'émission, là, men. Et faut moins. Oui, oui. Et Désir, en avance, Désir. Très bien. Parce que le modèle situation qui pratiquement gagne, et je dis, en dedans pays, il mérite que nous gardions avec un autre Dieu et chercher à comprendre sans doute ça qui a passé en dedans pays. Si nous ne pas entendre nous, tant pour Jean, ancien député Saint-Cyr, on se dit là, la Blaise Peterson, il normalement besoin que M. élargit consensus qui a parlé. Sous dit c'est un bagage qui chita sous base consensus. Depuis le commencement où fait exclusion, li pata doué chita. OK? Sous exclusion côté on dit ti Jean ou bien ti Jacques, ti Pierre, li pap ka participer. OK? Parce que dans sa pays en il a besoin un niveau conscience qui dégage bon côté chaque grain citoyen et citoyenne bon côté acteur qui pour sincère dans démarche dans décision qui apprend. Non souci qui permet que nous mettions le pays dans sa qu'elle trouve, je ne vous dis pas. Les partisans et ces partisans de Guy Philippe, ils ont qu'un bel arrière eux-mêmes, soit Team Guy Philippe, ils ont dit, pays n'a pas besoin stable, autant que ce n'est pas Guy Philippe qui prend tête pays. Et si vous regardez, dans tout niveau, vous avez question, ça qui est pour avec légitimité populaire, niveau popularité de Guy Philippe, si vous comparez avec les 9 personnalités, du CP, ou après, Guy Philippe, tendance Guy Philippe la boue tout net. Tout a essayé donc de faire un rassemblement. Malheureusement, monsieur Damio qui est dans CPA, dès le début, il était en tanyo pour te mettre en police rouge, pour te mettre en barrière. Pour te empêcher, on est pour Guy Philippe, il te fait partie, résolution. Et si Guy Philippe te fait partie, tout traîner pied, tout dire, ouais, bah, la dire la blesse personne, il peut la dire comme ça. Parce que tu as pris une décision. Tu n'as pas à sa pitié. OK? Il t'a pas avancé plus direct. Malheureusement, nous trouvons nos situations. Ensemble des acteurs, il n'y a pas dans le pays tout bon vrai. Ensemble des acteurs, c'est des gens qui veulent venir chercher un job. Chercher un job pour faire ça, pour changer les conditions de vie, pour permettre qu'il y ait plus de privilèges en dedans pays, pour permettre qu'il y ait accès de voyager au prix des princes et princesses.
pendant le peuple a continué à boubier dans la misère. Et malheureusement, l'autre groupe qui l'a, qui a fait passer son pouvoir, nous voulons parler des gouvernements Ariel Henry. Chaque fois qu'il m'a utilisé des missionnaires, moi, je suis dans l'ombre. Les trois lots, les dérangeants, les dérangeants. Dans l'ombre, dans l'ombre. Parce que, Blaise Peterson, Ariel, ils font un discours qui pratiquement gagne un mois après deux mois. Depuis le déclaré, il n'y a pas de problème, il paraît pour remettre le pouvoir. Toutefois, il y a un gouvernement qui remplace. Est-ce qu'il y a un gouvernement déjà? Mais non, pas un gouvernement. Pas qu'à parler des démissionnaires, pas qu'à parler des pouvoirs dans le cas d'Ariel Henry. C'est tout un processus. Là encore, Désir, Ariel, dans le bagage, ça, là, qui est pour avec les CP, ça, l'autre prenait le gomito, monsieur, ça, même les membres CP, ça, ont arrivé nommé, prêté serment installé. Tout autant que le premier ministre qui prête le pays, Ariel a toujours été beaucoup de CP. Hein? Elle dit là, Ariel montre comme si là lui-même, il va pas aller comme ça. Elle dit pas prêt aller chez mon pensée hein. Ça dit il pose un ensemble de conditions. Et c'est ça monsieur mon nous comprendre que est-ce que dans tout ça qu'a fait là yo, est-ce que qu'il va payer qu'a régler? Est-ce que dans question CP gouvernement démissionnaire Ariel Henry, est-ce que qu'il intérêt mon qu'a faire là dans un moment? Et voilà gens que ancien député Saint-Cyr dit là. Dans moment ça là nous dans saison la pluie. Et pas cyclone non, mais nous dans saison la pluie. La pluie presque tombe chaque soir. Et il y a plus mon cap dormi dans la rue. Il y a plus mon cap dormi dans vieille machine. Il y a plus mon cap dormi sous place publique. Il y a plus mon cap dormi sous galerie car on monte dans une zone qui va être trop problème. Il y a plus mon qui peut être la journée yo gaille quoi mais le soir y a le mien bon pébois avec un petit mon sous braio. Et mon ça yo, c'est des mon qui te gè kayo que yo te redi monter de toi en G bloc. Et je dis à bandi pour ces deux mouns yo. Ça veut dire, est-ce que nous avons continué à être dans un véritable dilatoire entre Ariel démissionnaire et question CP, conseil présidentiel? Pendant ces temps, quel que soit le gouvernement démissionnaire, quel que soit le CP, c'est un fait passer dans l'intérêt. Parce que le gouvernement démissionnaire mettait avec CP, il y a deux acteurs qui impliqués dans la crise là. Et yo prétend que c'est eux-mêmes qui capote solution avec crise là. Et c'est ça monsieur qui ne comprendre. Et c'est ça que monsieur ne garder que dimension crise qui est là, est-ce que nous-mêmes comme peuple haïtien qui en dans pays a plus que 4 millions moun qui dans gagou dans souffrance et mettez sous diaspora haïtien aujourd'hui là, scandale corruption volé l'argent yo de la sécurité na FNE, Fonds national d'éducation, est-ce que n'a d'accord que nous quittons Mounsayo qui fin mette dans sa là, Mounsayo qui fin mette paysan dans la situation malou qu'elle trouve là, est-ce que nous d'accord que nous quittons paysan par Mounsayo? Est-ce que c'est Mounsayo seulement qui c'est haïtien? Est-ce que c'est Mounsayo seulement qui c'est petit pétion de Saline, Christophe Capois, Marie-Jeanne Claire et Rosani Belair, Catherine Flon? Et pas quoi c'est eux-mêmes seulement? D'ailleurs, Mounsayo fait tout le temps que y a pigé peuple. Hein? Et pourtant, dans le dernier moment là que rivé, que peuple haïtien, tu vas prendre destin en main, tu vas prendre responsabilité, nous décidons de croiser bras nous, nous ne disons rien, nous ne faisons rien. Nous disons, on attend ça, bon Dieu, c'est pour nous. Je vais laisser me dire, si nous voulons faire un pays, si nous voulons sortir dans ce là, peuple haïtien, que nous arrangeons nous, que nous prenons destin nous en main, que nous toujours demandons ça. Moi, je dis, Ibenes, toujours mandez nous prendre responsabilité nous en main et prendre destin nous en main. C'est comment vous comprenez que je dis hein, que des fois, ma garçon qui dépasse dans l'État, soit comme sénateur, soit comme gouverneur, soit comme directrice, ça oui, hein, soit comme sénateur, et puis, quand il y a là, il a arrangé encore. C'est comme quand il prétend que c'est une solution en main. Yo. Et puis, ils ont exclu, mais ils n'ont pas même fait cas considération de la grande majorité, je dis, qui vivent une insécurité physique exagérée et qui vivent une insécurité alimentaire exagérée. Je dis, je crois que, moment arrivé, tant et trompette la sonné, que l'ambi rassemblement, l'idée est qu'on est, et pour que le peuple haïtien, l'élevé campé, et décidé, de façon pâle, pour le retirer Haïti dans sa là. Et nous pas prendre prière et nous pas bâiller prière. Nous pas prendre prière, nous pas bâiller prière. Avec quiconque, quel que soit le monde que lié.
qui contribuer nan mettre nan sanye là faut nous passer à l'action contre eux parce que yo responsable de misère nous yo responsable de souffrance des jeunesse. Très bien. Modèle situation que pays a connaît. Li besoin au moins on ti crasse conscience bon côté ensemble acteur qui sous table là qui a gardé qui a fait temps passé parce que chaque fois on fait temps passé li susciter une quantité de monde qui mourit en dedans pays. Ou bien li rend la vie on paquet l'autre monde vinn plus vulnérable cap lever cour qui te pays pour aller chercher la vie l'autre côté et puis qui a perdu la vie. L'en mentionné 20 compatriotes haïtiens que yo joine qui mouri sous ti bois fouillé sous ti canot qui t'a prend dans pays Brésil. Ça le parti autorité ouin. Là l'a regarder tout ça qui a passé haïtien en République Dominicaine côté yo pas même traité haïtien à l'état au traité bête non pays tant que les États-Unis, Canada, la France. C'est pas possible. Là ou pratiquement di ou ses amis pour regarder ensemble de ça yo et ou servi avec République Dominicaine ou bali des moyens adéquats pour sécuriser la Cali parce que l'on a fait don avec question l'armée dominicaine nous qui ça qui au baio nous tout matériel qui au baio c'est pas dans nous mêmes qui là yo quitté yo mettez un embargo des concerts avec des nèg qui t'a fait politique en dedans pays pour te gérer ti affaire pa yo je veux dire vinn rendre que pays d'Haïti li pratiquement trouvé nan yon maras il trouvé une situation qui est extrêmement difficile au profit de qui est au profit de l'Occident au profit ti groupe metyo que yo mette là en dedans pays et yo renouvelé au de temps en temps yo changé au de temps en temps yo gardé de nouvelles têtes presque de temps en temps pour dire avec stratégie que n'a pas appliqué là dans période là et met tel groupe monde que n'a besoin pour nous servir avec c'est comme ça au catégoriser de telle période à telle période si c'est élection qui va le faire eh ben faut que moun gade moun ki proche population qui cap porter un discours qui plus ou moins populaire qui cap raler moun vini dans ça que dans ça qui a porter comme discours pour nous cap faire la route à yo yo faire comme ça la seconde sens que vous parlez là c'est choix qui pas constitutionnel eh ben yo entend yo regarder avec des bakoulou des criminels des assassinés qui va craser pays a déjà l'ensemble des décisions qui vous prend dans poste à pouvoir ou poste à décision qui vous avez gagné déjà qui peut être commencer servir service à pas de fini yo dit après conduire dans cadre CPA c'est là qu'on trouve parce que si vous regardez ou pas près des cadres de jeunes garçons qui sortent dans l'université qui pratiquement a préparé yo qui dans des organisations politiques qui en est dans pays a pour dire qu'il y a une opportunité pour venir bas en toute main yo pas quitter ça. Il va pas quitter ça arriver parce que en pile dans jeune garçon yo gen couille en pile jeune garçon yo honnête yo tout gen des bagages qui ont pas fait. Il va pas quitter personne vite utiliser pour l'argent et puis pour perdre crédibilité avec honnêteté. Même quoi c'est ça qu'on a fait là. Plus grosse chance que haïtien gagne le monde de vivre en plein pour yo connait parce que notre temps avant yo était besoin aller dans cabine pour nos cabines téléphoniques vers téléco pour t'aller porter un message yo t'ai besoin au moins parcourir ou bien t'ai prendre cassette yo t'ai enregistrer pour t'ai porter nos stations radio traditionnelles pour t'ai faire message passer je dis a la technologie lui permettre au moins que bagarre la vienne plus facile permettre nous passer message nous permettre au moins que nous dit mais ça nous voulait mais ça nous va aller et majorité a bien opportunité pour faire ça malheureusement même que vous avez une opportunité pour faire ça, qu'il y a qui gens qui arrivent à comprendre ensemble de ça que la population pote comme revendication. Vous continuez à passer dans la bêtise. Comme vous avez imaginé, vous avez un pays, vous n'avez pas protégé, dans tout sens. Avion pas volé pour venir dans le pays, depuis un bon temps. Par rapport avec l'insécurité, cartouche capturé sous son aéroport. Qu'il y a, dis-moi qui gens qui vivent là, a fait continuer à exister. Sous la mer, net exam pas suspend faire causer sous la mer tant que samedi 13 avril là dans zone AKR d'après service maritime nèg yo entend yo prend petit bateau yo kidnapper 6 moun il va finir désir yo prend 1500 sacs d'iri qui était là-dedans d'iri ça t'a la gonave comme si moun yo pas ka passer sous route, yo prend la mer pour yo, même sous la mer, yo pas protégé. Moun sa ki yo pral fè continuer vivre.
Et sans doute, il y a un paquet de monde qui a couru quitter la capitale là. Qui côté aller, il prend zone gars sud là pour eux. Il prend pour aller réfugier. Il y a besoin de manger pour manger. Malheureusement, il n'y a pas une chance ça. Parce que l'État, il finit faire un coup quitter Port-au-Prince. Et pour rassurer, pour manger. Il n'y a pas de capacité pour faire ça. Où est son pays qui a planifié, où il y a tout y en pendant plan d'extermination, l'a abouti dans tout axe que il a essayé de connecter pour régler la situation. Merci en pile, Désir Venès, collaborateur moi, Cavalier Paul Camon qui va jamais pas avec moi dans l'émission. Nou yo. Et sur mes sept nouvelles, Blaise Info, Point Nouvelle, Vente Calbas Info et Racine Nouvelle Haïti, nous encore demander avec Zamétien. Pardon, pour que yo capable like émission nou yo, partager, quitte un commentaire et si pour quoi abonner tomber sur média sa yo, abonner avec yo pour nous ka grandir communauté nou. Merci Désir Venès, nous avons cassé rendez-vous pour notre